Bienvenue les amis sur la chaîne Kaloukera en nous avec DJ Arnaud. Pour la première fois, un stade porte le nom de Luxonor. C'est dans sa ville natale Saint-Claude. À Fontvaillant. Il félicite tous ceux qui ont fait le déplacement et ils sont nombreux. Des officiels, des footballeurs, des gens du quartier, des curieux de tous horizons. Ils sont venus voir ce bijou qu'on leur a promis comme étant la pierre angulaire de la politique sportive de ce territoire de Saint-Claude. Le public rend hommage à Luxonor par ce biais, car nous sommes tous fiers de ce qu'il a accompli, du modèle qu'il représente et du message qu'il propage encore aujourd'hui lors de ses stages de détection. Il faut se frayer un chemin dans la foule, car légitimement, tout un chacun veut voir de quoi il en retourne. On se dirige vers le mur où sera dévoilé le nom du stade et donc où la cérémonie de baptême se déroulera. Un bon maître de cérémonie, monsieur le maire donne les directives et place les invités. Devant le parterre de journalistes et de photographes, Luxonor prend la pose. Tout le monde est impatient que le voile soit levé. Certains officiels sont appelés en renfort. Les renforts tardent à venir. Ils se font prier. Ils sont placés par monsieur le maire. On en attend encore certains. Placez-vous. On vous attend, on vous attend, on vous attend. Oui, 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 c'est bien vous. Monsieur le maire s'impatiente. Mais voilà que le premier renfort est là. Il donne les directives. Ça va. Et le dernier renfort. Et voilà, le voile se lève petit à petit. C'est fait. Et voilà, c'est magnifique. Son nom est inscrit en lettres d'or, associé au logo de la ville. La photo de famille pour la postérité et avec des sourires, s'il vous plaît. Ce n'est pas terminé, car il y a aussi une stèle, un marbre, une plaque commémorative afin de perpétuer le souvenir de cet événement, de cette inauguration tant attendue. Oui, oui, le projet était dans les cartons depuis déjà quelques temps. Complexe sportif Luxonor. C'est beau. On poursuit au pas de charge pour ne pas prendre du retard et on se retrouve devant le ruban à couper. Vous aurez noté qu'on fait à chaque fois participer un jeune, que ce soit pour la plaque commémorative ou pour le ruban. Next! La balade se poursuit dans le stade proprement dit. La pelouse est digne des plus beaux stades anglais. Il paraît qu'il y a un jardinier qui est assigné à son entretien quotidiennement. Je vous dis pas le coup. Le public continue d'affluer dans les travées et à prendre place dans les tribunes. En tout cas, d'un point de vue populaire, c'est déjà une belle réussite. Gageons que lors de la saison, nous aurons droit au même engouement. Je laisse la parole à l'homme du jour. Luc. Sonore. Très grand moment, j'ai pas de mots pour dire quel. C'est juste quelque chose d'incroyable, incroyable. J'ai toujours rêvé de ça, que à Saint-Claude je puisse amener quelque chose. Et finalement c'est Saint-Claude qui m'amène quelque chose. Parce que monsieur le maire a eu la gentillesse, avec ses administrés bien entendu, de donner mon nom à ce magnifique complexe. Donc voilà, je suis le plus heureux des hommes, je peux pas dire mieux, c'est Saint-Claude. J'ai toujours dit à mes parents qui sont plus de ce monde mais que je serai toujours de retour à Saint-Claude, que je serai toujours un Saint-Claudien. Je l'ai prouvé, la ville me l'a prouvé également. Et la commune de Saint-Claude m'a donné la possibilité enfin d'assouvir vraiment ce que j'aime. Et voilà, je veux dire, quand vous voyez un complexe comme ça, avec vous arrivez, c'est écrit complexe Luxonor, mais c'est juste un rêve. Quoi. Vous ne rêvez pas, c'est une aire de lancer. En effet, c'est un complexe omnisport. Nous avons donc une partie des installations qui comprend une aire de lancer et une piste de course à pied de 60 mètres
si j'ai bonne mémoire. Les jeunes vont donc se familiariser ici au jet et notamment au lancer de vortex, beaucoup moins dangereux et compliqué à manier qu'un javelot, mais qui prépare le jeune au lancer pédagogique. Il lui permet de se familiariser à la position des bras pour lancer, au type de jeu de jambes qu'il faut posséder et à la rotation des épaules qu'il faut maîtriser. Les filles et les garçons participent ensemble, sans distinction, dans ces petites catégories. Passons à la course à pied. Sur la ligne de départ, nous avons 4 poussins prêts à un des coudes sur du 50 mètres avec les parents premiers supporters. Pendant que nos élus distribuent les médailles, nous assistons et commentons le premier match senior avec un premier but en direct. Le match est plutôt déséquilibré et malgré l'enthousiasme des deux équipes, il n'y a guère de suspense. En tout cas, le public a du spectacle car on vient voir des buts dans un match de foot. Ça contribue à ce que l'ambiance dans les tribunes soit de très bonne facture. Les blagues fusent et chacun y va de sa petite anecdote sur les footballeurs ou leur manière de jouer. C'est ça l'ambiance dans un stade. Venez et vous serez surpris agréablement. En un clin d'œil, la nuit est tombée et nous en arrivons déjà au clou du spectacle. Le match phare de la journée entre l'Olympique de Saint-Claude et le Cygne Noir. Présentation des équipes sur les feux flambant neufs de ce complexe luxonor. Tout cela pour dire qu'on va pouvoir jouer en nocturne toute la saison. Ils ont pensé à tout quasiment. Malgré l'heure tardive, le public est toujours là et montre sa ferveur pour son équipe. Coup d'envoi du match et nous nous quittons sur ces belles images.